C'est normal, Serge, c'est normal, j'arrive. J'étais en train de paramétrer le bordel, faire ma petite popote. Mais t'as le son du jeu normalement? Bon, ah bah non, il n'y a pas le son du jeu. Pourquoi il n'y a pas le son du jeu? Bah, si, il y a un petit. Oh, je sais pas. T'as le son du jeu? Dis-moi. Oui, il y a eu un petit bruitage. Bah, attends, je vais le relancer. On va se remettre là. Attends, reprendre. Je reviens, j'aurais voulu mettre le. Salut Green Lion! Non, t'es pas sourd, t'inquiète. T'inquiète. Alors attends, tac. Attends, avant de défoncer qui que ce soit sur Blood Bowl 3, faut déjà que je réapprenne les règles. Allez, je vous laisse mater l'intro et j'arrive. Ok. Merde, j'ai pas mes lunettes. Ok, allez, c'est parti. Bon, ce qui est sûr, c'est que l'intro de Blood Bowl 3, elle est stylée. Hein, ça, on peut pas dire le contraire. Alors, oh, est-ce que je fais le tuto? La campagne de Blood Bowl 3 vous propose une série de compétitions dans lesquelles vous affrontez des équipes emblématiques. Ouais, non, je prends vie. Alors, créer une nouvelle équipe, pardon. Chaque race dispose de faibles. Oh là. Chaque race dispose de forces et de faiblesses que vous pouvez consulter depuis l'écran, depuis l'option détail de cet écran. Les équipes que vous créez peuvent être jouées dans tous les modes de jeu, blablabla. Okay. Alors, on a quoi? On a la noblesse impériale. On a les orques noirs. On a les renégats du chaos. L'union elfique. Les nabots. Et l'alliance du vieux monde. J'aime pas trop le roule-mort, il a l'air un peu high-tech. Bon. Les nains.
faut de l'inspiration là. Tiens, drag. Drag 3, drag, drag, drag queen, drag, non. Je cherche un mot là. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Oh merde, j'ai pas d'idée. Il y a mon téléphone qui me propose un coup de main pour méditer. Ouais. Alors, les Colanthus. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Dragnin 3. Allez, allez, allez. Allez, allez, je crois les coups de frein. Ok, alors, étape finale. Un recrutement équilibré vous assure une composition d'équipe immédiate et cohérente avec les forces et faiblesses de la race choisie. Quel que soit, nanana. Franchement, vous savez quoi? Je vais passer sur de l'équilibré. J'ai l'impression que les règles ont quand même pas mal changé, donc voilà, on va pas se prendre la tête. Voilà, voilà. Putain, c'est la troisième bêta, les mecs. Putain. Alors, là, je fais rien de méchant, je crée une équipe. Vous avez vu le temps qu'il a fallu pour valider l'équipe? Pas normal. Non. Alors, chaque équipe que vous créez dispose de sa propre réserve d'or. Oui, chaque joueur est membre de l'encadrement recruté avec de l'or, valeur d'équipe. D'accord, ça c'est classique. Alors, on a Rorek. Kneebreaker, le casseur de genoux, tant qu'il casse pas des culs, c'est bien. Donc je sais pas, je connais pas la nouvelle notation. Alors attends, mouvement, force, agilité, CP, ça doit être passe et armure. D'accord. Ok. Alors ça c'est quoi? Prise sûre. Ce joueur peut relancer un test de ramassage. De plus, la compétence sera chez. Ouais, d'accord, c'est la même compétence. Donc, crâne épée, c'est pour pas être KO, d'accord. Ça, c'est blocage. Ok. Ça, c'est tacle. Ok. Ok. Ça, c'est intrépide. Donc, ça, c'est des tueurs de trolls. Ok. Et frénésie. Bon, les nains n'ont pas trop changé, du coup. Bloqueur de ligne. Bloqueur de ligne. Ouais. Tueur, bloqueur. Pourquoi est-ce qu'il met des bloqueurs là? Il leur met un là. Il en met un. Enfin. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est bien. Par contre, on va avoir pas mal de. Tu vois, de. Alors, le petit palmarès du joueur, ça va être cool, ça. Ok, bon, on a une équipe. Alors, jouer. Match amical. En ligne. Attends, normalement, il y a. Oui. Okay. Merde, j'ai pas dû valider ma création d'équipe. Il n'est pas très ordonné le bot, bah c'est surtout très bizarre quoi. Tu vois. Ou alors ils ont rajouté de l'aléatoirité dans la composition de l'équipe, histoire de dire. Tu vois, bizarre. Bon là on est reparti pour une demi-heure, le temps que ça mouline. Là j'aimerais bien savoir ce qui branle derrière quand même. Est-ce que c'est le temps de contacter les serveurs? Je pense que c'est ça. Alors, ta-da-da-da. Échanger le joueur. Non, bah non, bah je l'avais bien créé mon équipe, voilà. Ah. Ah bah les deux étaient créés, d'accord. C'est juste que. Voilà, encore une fois, hein, 3 quarts d'heure pour créer une équipe. Là, je reviens au menu. Et je vois pas mon équipe. Et je vois tellement pas que je pensais qu'elle n'avait pas été créée. En fait, si, elle avait été créée. Mais
Tu sais pas ce qu'il était en train de foutre, il arrivait pas à t'afficher ton équipe, quoi. Alors, ça donne envie de pisser, l'eau qui coule derrière toi. Oh, putain, vous l'entendez? Ouais, non, mais le micro, il est trop sensible, sérieux. Ouais, c'est un aquarium, faut que je remette un petit peu d'eau, mais le machin, il est à 5 mètres, quoi. Ah, attends. Bon, ça, faudrait que je remette dans les miens. Ouais, il fait chaud en ce moment, hein. Ils ont soif. Alors, attends, non, c'est pas le gain, suppression du bruit, noise gate, ça doit, ouais, ça doit être ça. Et de fermeture. Là, du coup, vous allez plus m'entendre. Ma voix, elle va vachement couper. Parle pas très, ouais, parle pas très fort. Ça va sinon, hein, vous êtes bienvenue sur le live, je configure mon micro. Bonjour. Hey, merci Warkfell pour ton resub. Des 27. Oh mon Dieu. C'est haut. C'est d'ouverture. On va monter un peu. Et là, ça donne. Ça a l'air d'être un. Mais non, il faut que je re-règle mon micro correctement. J'avais enlevé les settings parce que. Ah oui, c'est les pauvres de la rue, ils ont pas d'électricité. Bientôt, ils vont sortir les palettes, faire des barbecues. On capte un mot sur 30. Ouais, c'est clair. Là, ça devrait aller mieux, normalement. Mais du coup, vous entendez l'aquarium. Ouais, donc là, il y a une coupure dans le quartier, là. Donc, de mon côté de la rue, on a récupéré l'électricité au bout de quelques minutes. Et en face, ils ont pas d'électricité. Ah mais c'est une dinguerie comme le micro capte super bien quoi. C'est un truc de ouf. Du coup les gens ils sortent tous de chez eux et puis ils discutent et puis machin. Oh laisse-les. Ah, Nold elle a sorti le cric, je crois qu'elle va leur péter la gueule. Oh merde, Knorr, c'est un putain de joueur ça. Oh merde. De mémoire, Knorr, c'est genre un joueur classé, machin, machin. Oh, Arnold, elle est trop gentille, elle remet de l'eau dans l'aquarium. J'ai des thunes là ou pas? 115. Attends, je suis perdu là. Je voudrais voir l'équipe de Knorr, moi. Eh mais je sais pas ce qu'on vient faire là, les gars. Où est-ce qu'on dit qu'on est prêt? Alors, prière à 9 jusqu'à
Prochaine phase de jeu, les tentatives de contestation. Oh, d'accord, c'est un. Ok. Un joueur adverse sans le trait solitaire. Ok. C'est quoi ces deux orques? Oh. Ça y est, je suis perdu. Les crampons graisseux, Jekyll 949 MV, mouvement est réduit de 1. C'est mieux, c'est laissé son compteur? Ouais, impec, merci. Donc là, il y a un joueur de chez lui qui a perdu un point de mouvement. C'est dommage pour lui. Pardon. Mais pourquoi il y a un nain dans l'équipe d'elfes? Ah, c'est pas des elfes en fait. Mais c'est quoi cette équipe de merde? Non, mais rendez-moi mon jeu, merde. Il s'est fait une équipe personnalisée, c'est ça? Donc on est face à une équipe perso, j'imagine. Où le gars il a complètement pété un plomb en fait. Bon, on s'en bat les couilles, on est là pour rigoler, hein. C'est quoi ce joueur? Je suis paumé. Ouais. Et là, attends. Allez, roule. Je sais pas où on dit qu'on est prêt. Bonne toi. Yes. Ah, il a le droit de refaire sa défense. Alors, c'est un nouveau roster. T'as un nouveau roster KO avec 4 big guys. Oh la vache, c'est vrai, putain, cool. Et donc, ça, c'est un nouveau roster. C'est une équipe officielle. C'est avec un homme arbre, deux nains, deux. 4 elfes, des humains. Ça ressemble un petit peu à du n'importe quoi quand même, hein. Hein? Un petit peu. Un petit peu. Ok, allez. On va distribuer les tartes dans la gueule. Ok. Ok, admettons. Alors, allez, on y va 2D. Ça tombe. Merde, il est frénétique lui. Bon. J'ai pas compris pourquoi j'avais suivi. J'ai dû double-cliquer sans faire exprès. Donc là, on va y aller au feeling. Alors attends. Hop. They're gathering around.
Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. Bon, allez, on va marquer. Enfin, on va mettre des zones de tacle. J'ai blitzé, ouais, j'ai blitzé là-haut. Hop. Oh là là là. Pas, pas une seule armure passée quand même. On est un petit peu. Quoi? Ah oui, alors le temps limite, c'est assez particulier. C'est-à-dire que. Un tour c'est 2 minutes, mais on peut déborder et on a au total. Au total, on a une poule de temps. Alors, je sais pas combien c'est. Ah bah c'est 7:30, vous voyez. On a 7 minutes 30. Et donc sur tout le match, alors, est-ce que c'est le match ou la mi-temps? Bon, ça doit être la mi-temps. Sur toute la mi-temps, on peut déborder 7 minutes 30. On pourrait déborder bon, bah, de 0, bien sûr, sans jamais déborder. Mais on peut aussi passer un tour en 11 minutes. Hein. On a le droit. C'est tout le match, les 7:30. Ok. Bon. D'accord, donc il a pris racine, mais il a réussi à se relever. Donc c'est bien, on pourra. Si on arrive à esquiver, à se barrer de là, bah, on pourra plus nous rattraper, c'est bien. Les animations sont pas folichonnes, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Les armures ont l'air plus solides que dans le 2, pour l'instant en tout cas. Il en a 6, enfin 6 pots d'affilée. Il a fait une petite pause et deux pots encore avant. Ah. Ça va sonner. Allez, carton rouge, ça dégage. Ah ouais, mais la fosse, elle est pourrie. Oh là là. Ça, c'est nul, 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 nul. Ok. Putain, je vais avoir que du 1D. On va s'occuper du ballon, hein, vous inquiétez pas. Ah merde, je fais de la merde. Ça va, le jeu m'a sauvé le cul. Pourquoi je vais qu'un dé là? Ah putain, il y a un mec caché derrière le lent, je l'ai pas vu. Ok, cool, on a passé une armure et un KO. Bon, c'est bien, il a un mec sorti, un mec KO. C'est pas mal. C'est quoi ça? Ça a blocage, ça a blocage, donc on va y aller. Attends, c'est quoi? 50% d'intrépide. J'ai une chance sur deux de faire intrépide, c'est tout? Chaud. Allez, go. Alors 3, 4, j'ai 4, 3, 4, non même pas, j'ai 3. 3 c'est pas ouf. Bon, on va le faire quand même. Je vais fermer un dé d'abord. Yes, 12 sur l'armure, 6 sur la blessure, ce sera sonné. Ah, 8, dommage. Un point après, ça passait l'armure. J'ai raté mon intrépidité. Bon, je garde le dé, c'est pas grave.
Ça va, l'armure actuelle, quoi. Hey, merci mon petit crook. Oh, c'est gentil de me soutenir dans cette rude épreuve qui est non seulement du Blood Bowl, et en plus du Blood Bowl 3, et encore en plus contre Knorr. Ah, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est un gros joueur quand même. Bonne idée ça, Green Lion. Putain, ça dégueule de couleur là, c'est pas beau. Hein. Alors, je dois pouvoir changer l'affichage, mais je sais pas. X, non, c'est pas X. Hein. K, ouais, K. C'est pas K. Oh, K, fais voir. Canicule. Ah, donc là, on est en condition idéale, d'accord. H, c'est quoi? Compétence innée. Ok. Il a cramé sa relance. Ouais, une relance, il en a encore deux. G. Ça doit être G. Non? Knorr, c'est pas de la soupe. Si, si. C'est aussi mon adversaire. Peut-être que mon adversaire aime la soupe, c'est possible. Bah. On peut utiliser plusieurs relances par tour maintenant? Putain, mais je suis con aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est pas ça, mais je... Tiens, j'ai du mal à, je sais pas, à voir les joueurs. Hein. Lui, il est marqué, évidemment, ça, enfin, ça se voit, mais je l'ai pas vu tout de suite, quoi. Chelou. Alors, attends. Lui, il va monter, marquer lui. Comme ça, là, j'ai un 2D là-dessus. Oh, 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 oh. Hey, il va peut-être falloir appuyer un peu sur les points, les mecs. Hein. J'ai déjà blissé. Oui, j'ai déjà blissé. Ok, donc là c'est du 1D. Là, 2D rouge. Allez, je vais essayer de récupérer la balle et de me barrer à gauche. Quand je cours, il y a une traînée blanche comme si j'allais vite, quoi. C'est magnifique. Ou pas. Tac. Donc eux, je vais les rapatrier par là. Oh, les deux. Putain, je suis long à jouer comme ça aujourd'hui. Ok. Allez, bloc 1D, on y va. Yes, ça passe. Yes, encore un KO, c'est cool. Et ici, soutien. Alors, je sais quoi, j'ai 3, 4, 5. Ah, il a 6 de force, ce bâtard. Allez, on y va, on s'en bat les couilles. Hop, ça tombe. Casse-toi. Double 1 sur l'armure, bâtard. Putain, c'est foufou et je dépasse sur tous mes tours, quoi. You know, I may actually say something witty and insightful soon. Just waiting for the players and the coach to do something. Anything. Please, just be interesting. Ah merde. Le fait de l'avoir foutu par terre, ça lui a fait... Ah putain!
Ah ouais. Il a relancé son prendre racine. Oh, ça, c'est ballot, ça. Je suis pas habitué à ce que les armures d'un côté comme de l'autre tiennent aussi bien. C'est bien, c'est bien. Avant toute chose, on met des taquets, hein. Même sur Blood Bowl 3, ça reste une équipe de nains, donc faut. Voilà. La base, c'est là-bas. Non, bah, puis on va commencer à avancer, je pense. Il a combien de mouvements, lui? Beaucoup trop. Ok. Je vais essayer de les protéger mon porteur de balle avec ce gars-là. Et là, ce qu'il faudrait, c'est que je tourne la grosse bait. Grosse bête qui a une armure de grosse bête, hein. J'ai bien dit bête. Merci. On va mettre une zone de tacle sur celui-là. Et j'ai blitzé? Je suis pas blitzé, merde. Oh, je suis encore en train de dépasser le temps. Merde, comment on fait un blitz? Oh là 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 là. Ok. Ok, ça prend racine. Par contre, je crois qu'il se relève. Non, au contraire. Il a pas pris racine, mais il s'est pas relevé. Super. Fait qu'au prochain tour, je peux esquiver l'homme arbre. Puis après, normalement, si je fais pas trop de la merde, je peux le kiter jusqu'à la fin de la mi-temps. Donc en fait, ils ont gardé les mêmes commentaires de Jim et Bob du 2.
Allez, là. On relève les copains déjà. Ici. hop. Très bien. Je m'éloigne de l'homme arbre, hein, c'est la priorité. Bon, c'est la mienne en tout cas. Puis là, bon, on va commencer à taper. Hein. Ok. Là, je vais le repousser ici. Comment on fait pour relancer? Oh. Sérieux, mec. Non. Ah mec. Merci pour ton follow, Adeptus Barbouillus. Bienvenue sur la chaîne. Ah merde. Top, j'étais content, ça se passait bien. Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que, hé, hey, qui fait le malin tombe dans le ravin. J'ai fait de la merde. Ah, mais je pouvais. Ah, zut. Ah, mais je pouvais relancer une deuxième fois, j'ai oublié. Et après, c'est bien fait pour ma gueule parce que juste avant, j'avais un pot. Et j'ai dit non, je fais pas le pot, je le repousse comme ça, après, je le sors du terrain. Et eh ben, je me suis fait baiser la gueule et j'ai rien sorti du terrain. Oh si, il est KO. Mais bon, enfin voilà, c'est, j'ai perdu la balle et etc etc. Donc voilà. J'ai voulu faire le mariole à surfer le joueur adverse et eh ben je l'ai eu dans le fion. C'est un petit peu bien fait pour ma gueule quand même. Je trouve. La morale de cette histoire. L'autre, tu claques 4 lances par tour, mais c'est pas grave, ça passe. Ah bah, que ce soit Blood Bowl 2 ou Blood Bowl 3, je serai toujours de mauvaise foi. Ça va. Merde. Ce moment où tu attrapes la balle et tu dis, ah, qu'est-ce que j'en fais maintenant? What was your favorite moment as a Blood Bowl player, Bob? Ok. Reviens! Reviens! Attends, là je vais au moins en relever un. Je sais pas si je vais relever les deux. Ah, je peux pas le rattraper lui. Oh là là, c'est casse-couille. Je peux pas blitzer le porteur, hein, donc on va y aller comme as. Oh oui! Yes, yes, he's dead, yes. Pardon. Ah, ça s'est fait plaisir. Qu'est-ce que vous retiendrez de votre soirée, mon petit Krug? Eh bien, écoute, j'ai tué des gens. Oh, c'est beaucoup trop loin ça. Esquive? Je peux esquiver, t'es con. Hop, allez, je me rapproche du porteur de Babel. Là, hop, hop, allez, on va se positionner ici. Alors le premier c'est celui-là. Là, ça va être un bloc à 1D avec l'adversaire qui n'a pas blocage. Ça nous donne un avantage. Je le mets là-bas et je poursuis. Ok. 2D. Le pot. Je poursuis. Comme ça, je m'éloigne de la marbre. Ok. Puis c'est bien.
En même temps, Krug, sur la mauvaise foi, c'est pas Krug. Tellement. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Hein. Putain, il faut que je vous montre un truc, les mecs. Comment je peux vous montrer ça? Oh, je regardais tout à l'heure. J'ai trouvé un kit. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est, alors, allez sur Amazon et vous tapez Power Up 4.0. Allez, Power Up 4.0. Moi, je pense que c'est indispensable à tout être humain. Ma femme n'est pas vraiment... Ouais, c'est ça, Green Lion. Ma femme n'a pas l'air de cet avis, mais... Ce n'est qu'une femme. Alors. Donc là, il faut que j'arrive à le bouger, celui-là. Ouais, super. Combien il reste de tours? Deux tours. Putain, ça va être chaud. Là, je me mets un support ici. C'est quoi ce 1? Ah, c'est le ramassage de balles. Bon. Oh dear. Oh oh. Oh non, c'est bon. Bon, maintenant faut. Bah, faut ramasser le ballon. Ouais, c'est impossible. Faut que je ramasse le ballon, que je fasse une passe. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est des avions en papier. Mais non, lisez bien, putain. Oh là 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 là. Dwarfs, men, even beast men sharing the delightful violence, the same stadium, and all desperate to see some shredding death. En fait. En fait, c'est un kit. C'est un kit de moteur et puis de. Bah, de moteur et de. Merde. De capteur. Que tu mets sur ton avion en papier. Donc, tu prépares ton avion en papier. Ensuite, tu viens fixer ton kit sur ton avion en papier. Tu jettes l'avion en papier. Et là, attention. Là, t'as le. T'as l'ordinateur embarqué sur l'avion en papier qui est connecté à ton smartphone. Et tu peux calculer la vitesse, la distance de vol. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais je maintiens que c'est indispensable. C'est sûr que ça marche. Non, non, pas du tout. Non, non, je... Ça m'a l'air d'être une arnaque à pognon. Il y a moyen, Green Lion. Faut pas perdre son avion. Non, mais tu contrôles pas l'avion, je crois pas. Hein. Donc, enfin, ton avion en papier, il va voler... Il va voler 2,50 m, quoi. Ah, quoi qu'il y a les hélices derrière, je sais pas. Et putain, j'étais au taf et j'achète pas mal de trucs high-tech sur Amazon au boulot. Et putain, ils m'ont proposé ça, j'étais mort. Allez, on essaie de marquer le touchdown de la win. Donc le ramassage est bon. Donc là, on va faire une transmission à Bombure. Comment on fait? Comment on fait une transmission quoi.
Skaven leagues played in great caverns underground. The teams are backed by the powerful greater clans, so you have clan Skaya teams, clan Eshin teams, and so on. You lost me after Bob. Jim, don't talk to me for the next. Putain, t'es connu, je comprends pas le. Il se passe quoi là? Oh, tu m'emmerdes. Ouais. Transmission. Go. C'est quand ce standard? This is a big game, Bob. How do you feel about being at such an important match? Indifferent, Jim. Ask me again when there's more. Un joueur peut faire une action combinant à la fois un déplacement et une action de transmission. Le coéquipier doit être doué. Une action spécifique. Eh ben. Putain, je comprends rien. You know, this reminds me of the time you got bored and chained all the goblin technicians together to create a living mess. Oh putain, je crois qu'il fallait que je déclare ma transmission avant. Ah putain. À la baise. Ah je crois que c'est ça. Ouais. Ah je suis dégoûté. Ah, merde. Ah, je savais pas que ça se déclarait avant. Bon, moi je l'ai dans le cul, super. Ah, je suis dégoûté, putain. Putain, je suis tristesse sans déconner. Ça t'apprendra à te foutre de ma gueule, toi. Ben, je suis deg, j'aurais pu marquer, bordel. Tu l'as envoyé à un ami algérien, gros Cécile Lèche. Tu nous donneras le feedback de ton ami algérien, ça m'intéresse. Ok, ok. Alors, 2, 4, 6, 2, 4, 6, putain, 2, 4, 6, 8, 10, il a 10 joueurs.
Ah putain, j'ai le seum de cette histoire de transmission, sérieux. Putain, il y a quand même pas mal de sang dans sa moitié de terrain. Hein. On n'a pas fait autant de morts et de blessés, mais bon. Il y a pas mal de sang. Alors, attendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça, 10. 10 contre 11. Oh, c'est bien, on a un petit avantage. Bon, 3 relances à 3, 0 partout. J'ai raté mon attaque, mais. Bon, un petit avantage quand même, il y a un joueur de moins. Puis il n'y a plus de remplaçant. Ça va, pas de blessure. Ça passe. Ça passe pas. Ah. Il a fait frénésie alors que j'ai pas reculé. Ok. Il me semble pas que ça marche, mais. Bon, peut-être. Bien. Bon, après le monsieur il fait des il fait une cage avec un halfling, pour les connaître. Coller, on va se donner du blocage pour le tour prochain. On va essayer en tout cas. Non, non, faut vraiment que je coupe les commentaires. Déjà qu'ils me saoulaient dans le 2, je les ai coupés très tôt. Enfin, voilà, s'ils ont réchauffé les commentaires du 2 pour le 3, c'est pas possible, quoi. Mais à FIFA, c'est pareil. Quand j'étais gamin, je jouais à FIFA et je coupais très très vite les commentaires. Bon, c'est un petit peu moins fouillis que la première bêta, non? Au niveau des graphismes, alors, après, on est sur le terrain vert. Je pense que ça aide beaucoup. Il faudrait qu'on fasse un match sur le terrain aride, là.
always uses the right player for the right job. The snotling baked in a pie stands more chance than this poor kid. Actually, where's the nearest pie shop? Can't argue with that call. Ouais, t'as le droit de faire un crâne de temps en temps, Bilou. Moi, je t'accorde le crâne de temps en temps. Voilà, je suis ton adversaire, je t'autorise à te vautrer une fois de temps en temps. Voilà. Ne me remercie pas. Bon, tac, 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 tac. On va remettre la zone de tacle ici. Ouais, c'est compliqué. Hein. Il peut aller où, lui? C'est rien, il peut aller loin. Hein. Il fait une prière à chaque fois qu'il lance un dé ou c'est long entre deux, non? Non, c'est moi qui ai pressé. D'accord. C'est pas impossible. Qu'est-ce que je fais? Ok, allez, go. Ça, j'ai mon tacleur sur son halfling. Merde. Putain. Je me fatigue tout seul, de fois. Je sais pas ce que je fous avec les zones de tacle. Je n'y arrive pas, ça. Ben, je reconnais pas mes joueurs, en fait. Ça aide pas. Attends, lui, faut qu'il se relève. Putain, en plus, j'ai fait ça avant de bouger mes joueurs, là. Je manque vraiment à tous mes devoirs. Oh, too easy. That's a strike made with technique and precision. It's not always about sheer muscle. Oh là là là, un point près, je t'ai arraché les chicots, mec. Salut Benito. Alors, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui disait que les enfants suédois commandent leurs parents par menace de porter plainte contre eux. Ouais, c'est possible, c'est possible. Achète-moi des bonbons ou je te fais dire que tu me frappes. Ouais, ouais, bon, c'est pas... Oui, ouais, ouais. Ouais, non, ça m'étonne absolument pas. Mais c'est normal, hein. Enfin, c'est pas normal, mais c'est naturel. Je veux dire, enfin, les enfants sont pas des abrutis, hein. Ils comprennent très vite les choses. Et vu tout ce qui se passe, ben c'est naturel que ça évolue en ce sens. Yeah. Eh bien. Vas-y, je peux pas monter un 2D. Putain, ça m'étonne. Oui, vas-y, je fais un GFI, c'est bon. Les teams sont backed by the powerful greater clans. So you have clan Sky teams, clan Asian teams, and so on. Donc, ça repousse vers le haut, bien sûr. Et on lui éclate sa gueule. Allez, je ramasse, allez. Ouais, raté. Yeah. Ok. Allez, tarte dans ta bouche. Yeah. Encore une blessure, c'est bon ça. Alors, 3, 4, 5, 6.
On peut faire un dé sur Lens. Attends, on va déjà faire un dé là-dessus. Ok. Je vais le repousser vers le bord du terrain. J'ai super mal joué le Lent. Hein. Ou lui, il joue très très bien. C'est un peu des deux. Hein. Il joue très bien et je joue très mal. Et ce qui fait que... Systématiquement, il arrive à monopoliser 3-4 joueurs avec son Ent. Et moi, je me fais avoir, quoi. L'équipe contre... j'ai pas capté... il faudra qu'on regarde tout à l'heure, Benito. En fait, il y a des Ents, des Elfes, des Halflings et des Humains. Et des Nains. C'est une espèce d'équipe mixte complètement bâtarde du fion. Je sais pas quel nom ils ont pu donner à cette aberration merdique. En tout cas, c'est pas un roster classique. Ça s'est senti dans les adjectifs que j'aimais pas trop cette équipe ou non? Non, j'ai été discret quand même. All inclusive, je l'espère. Je fais des efforts sur moi-même pour être all inclusive. Ouais. On va pas se mentir, hein, ça se passe plutôt bien pour ma gueule au niveau des dés. Et encore. Après cette histoire de pouvoir utiliser 8 relances par tour, c'est quand même chiadé. C'est quand même chiadé. Et encore, je devrais avoir un TD. Hein. Si j'avais pas été aussi con. Ah, pas con, mais... Je savais vraiment pas qu'il fallait que je déclare mes actions avant, quoi. Oh, magnifique esquive. C'est beau, ça. Je suis admiratif. Puis l'armure qui passe. Bon, il est que sonné, dommage. KO. Ouais, on se casse avec la baboule. Oh, le vétérinaire, il s'est barré avec les baboules de mon chien. Oui, c'est complètement hors sujet, c'est vrai. Non, pourquoi j'ai fait une esquive? Mais n'importe quoi! Oh putain! Mais n'importe quoi! Oh le con! Bonjour, Kruger, 41 ans, pas tous ses moyens. Hein. Je sais pas. J'ai pas vu la zone de tacle et je dis, tiens, je vais aller là-bas, voir si l'herbe est plus verte. Spoiler, c'était une très mauvaise idée. Non, vraiment, ouais. On balance, I prefer the passing game to running down the field. The one tactic is for the intellectual elite, the other is for simpletons. I like running down the field, so whatever time I am. Pourquoi j'ai pas regardé ce que je faisais, putain. Alors,
déjà relevé tout ça. Bon, je vais blitzer là-haut, évidemment, avec ça à faire. Faut que je... J'aurais pu kite, j'aurais pu stall, pardon. Mais vu que j'ai décidé d'esquiver, ben, on peut pas être partout, hein. Putain, je vois tellement rien, ok. Alors, est-ce que j'ai des 2D qui traînent? J'ai 1D, 2D. Ok, ça c'est de la merde, ça c'est 1D je pense. Ouais. Donc on va aller ici, Blitz. Ah putain. Ah là 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 là. Pourquoi j'ai esquivé? Et c'était vraiment pas volontaire. J'ai vraiment pas vu la zone de tacle. Ah là 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 là. Ce match, normalement, je l'ai gagné deux fois. Quoi, putain. Oh merde. Bon, ce qui est rigolo sur Blood Bowl 3, c'est le sang quand même. Hein. Il y en a peut-être un petit peu trop quand même. Léger. Ouais. Alors. Les GD sont bien montrés à l'écran, donc on les voit vraiment bien, c'est très cool. Par contre, il s'est complètement daubé du cul. C'est-à-dire que tu n'as pas encore le GD d'armure qui est lancé, que tu as déjà le résultat comme quoi tu as tué le joueur. C'est-à-dire que tu sais pas encore si l'armure est passée, mais tu as déjà la cinématique, une cutscene, enfin une... un écran qui te dit que tu as tué ton adversaire, alors que les dés sont pas encore jetés, enfin, ils sont pas encore affichés. Ce qui fait que bah, tu perds en suspense, et puis bah, du coup, tu sais que le mec est mort, donc bon, bah, les GD, t'en as plus rien à foutre. L'affichage des GD est intéressant tant qu'il se passe rien. Tiens, tu vois, rien. Voilà. Voilà, exactement ce que je t'ai expliqué. Voilà, il y a quand même un gros problème. Voyez-vous. Allez, tu me donnes mon GFI s'il te plaît. T'es un beau gosse, mec. Bah, je vais être à 1D, je pense. Alors là, si je fais ça. Ouais, bah attends, parce que là, si je fais ça. Allez, viens là. Ouais, c'est pas grave au niveau. Je peux mourir, c'est pas grave. Alors oui, je suis d'accord sur le fait qu'on y voit mieux, mais attention, on est sur le terrain vert. Hein.
Moi, de mémoire, le terrain sur lequel on gueulait tous parce qu'on voyait rien, il était jaune. Fantastique, oui, oh, t'es pas non plus. T'es pas non plus excité, quoi. Putain, mais pourquoi j'ai esquivé, bordel? Ah, il faudrait que je me mette une confirmation de double-clic. Systématiquement, quand je double-clique, le jeu devrait me demander « T'es sûr que t'es pas en train de faire le con, Krug ?» C'est peut-être trop demandé. Hein. Est-ce qu'il reste des relances? J'ai pas l'impression. Son tueur, il est plein de sang. Ouais, c'est excellent. Ah, cool. Regardez, j'avais pas vu. Son joueur, il est blindé de sang, quoi. On est à la fin du match. Son tueur, il est rouge sang. Les miens, ils doivent être noirs, du coup. Non, oh. Ok. Bon, faut qu'on le tombe. Hein. Putain, j'ai pas vérifié qu'il n'y avait pas zone de tacle encore. Hein. Il me reste 2 tours, c'est encore jouable. Hein. Faut faire les bonnes actions. Enfin, les bonnes actions. Je suis pas Mère Teresa. Hein. Non, mais il faut faire... préférer une connerie, ça serait déjà bien. Je vais le mettre là. Bon, ouais, je vais faire mes 2 GFI. Enfin, 1 GFI. 2. 3. 2. 2 GFI. Bon, du coup, je vais faire cela. Non. Comme ça, lui, je vais plus le mettre là. Je fais mes 2 GFI de merde. Yes. Ça, je peux venir bloquer à 2D. À 2D. Je vais pas le mettre vers le bas. En fait, enfin, vers la droite, pardon. Allez. Yes. J'étais obligé de... Enfin, je l'ai mis vers le haut, parce que si je le mettais à droite et qu'il sortait... Enfin, s'il allait à droite, la balle pouvait sortir du terrain et potentiellement se retrouver tout en bas dans ma zone. Donc, pour moi, il ne fallait pas prendre le risque. Et à la fin, j'ai pris le risque de faire un GFI, parce que l'autre, il suffit qu'il blitz avec son bonhomme en attaque suicide. À un dé, il suffisait de me repousser dans le public et puis j'avais plus le ballon, quoi. Bon, bah, écoutez, allez, Jacques Taest. Advienne que pourra, et tant que le roseau casse, il ne plie pas. Ou un truc comme ça. Bon, c'est le dernier tour. Donc, ben, lui, il va tenter un bloc à un dé. Au mieux un bloc à un dé, mais j'ai pas l'impression qu'il puisse. Lui il va taper à 2 rouges.
Lui, il a deux rouges, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il peut me rapporter? Il y aurait lui avec une esquive pour venir cancel mon tueur. Ça me paraît un petit peu capillotracté quand même. Ouais, il a essayé. Il essaye de faire l'esquive. Il a essayé de faire l'esquive pour venir cancel ce tueur-là. Pour pouvoir taper un dé sur mon porteur de balles. Mais du coup. Alors il a raison de le faire, mais du coup il me facilite la tâche. Donc là moi je vais me préparer un 2D sur celui-là. Et un 2D sur celui-là. Il a. C'est très bien ce qu'il. Enfin, très bien, je vais pas juger, hein, mais voilà, c'est certainement ce que j'aurais fait. Et tenter de s'interposer plutôt que de laisser l'adversaire passer, quoi. Alors c'est toujours ça, est-ce que je joue jusqu'au bout et j'essaie de gagner ou est-ce que je couvre là moi je vais blitzer à 2D. Je poursuis pas bien sûr. agression multiraciale et ça c'est un plus tu vois et la victoire du Krug. la zéro ambiance du touchdown, oh mon dieu comme c'est plat. Ah ouais, non, faut qu'il revoie l'ambiance de quand tu mets un touchdown. Alors attention, sur les deux précédentes bêta, je n'ai jamais validé un match. Jamais. Ça n'a jamais fonctionné. Bon, déjà, je crois que je n'ai jamais fini un match. Ouais, à chaque fois, ça plantait la première mi-temps, ou je sais pas, il y avait des couilles. Il faudrait qu'on regarde, mais... j'ai gagné. J'ai gagné, j'ai validé le match, j'ai des XP, putain, oh là là. Écoutez, il y a un gros, y a un gros up déjà. Détail des gains. Alors j'ai gagné un fan, c'est ça? Ouais, ok. J'ai gagné 40 000 brousouf. Ok. Ah, puis on a une prime par but marqué, génial. Ok, super. Je fais quoi là? Retour? Ah, tu sais pas si l'orc qui a agressé le mec sur le bord du terrain était gay ou pas. Hein. Par contre, voilà, c'est multiracial, mais il y a que des hommes. Et depuis quand les femmes ne peuvent pas agresser les joueurs sur le bord du terrain quoi. Alors, c'est quoi ça? Aperçu, cyanide. C'est quoi? Ah, ça, c'est la compète, d'accord. Bon, par contre, enfin, je. Putain, cyanide, non, Nakon. Qui que tu sois derrière le jeu, putain, fais quelque chose, quoi. On peut pas passer... regarde, là, le temps passe, on peut pas passer 40 secondes pour afficher mes équipes, quoi. C'est... Ah non, c'est pas possible. J'ai aucun level up. Bon, on a eu pas mal d'XP, c'est cool. Non, bon, c'est cool. C'est cool, c'était bien. Alors, je vais arrêter là parce que je me lève à 5h du mat et là, je vais pas relancer, enfin 5h30. Je relance pas un match là parce que ça va amener à 11h30 minuit et c'est mort. Mais je reprendrai certainement du Blood Bowl demain. Histoire qu'on voit si, voilà, si ça va mieux. Le match de ce soir était cool. Je vous dis que Nord, c'est sûr, c'est un streamer. Est-ce qu'il est bon ou pas? Je pense qu'il est bon, il me semble. Mais en tout cas, voilà, ça s'est bien passé. Après, c'est des nains contre une équipe bizarre. C'était quoi son équipe? Alors, attendez, on va aller voir. Non, l'équipe. Créer une nouvelle équipe, ouais. Ah, c'est l'Alliance du Vieux Monde. D'accord. Création manuelle de l'équipe.
Bon, on part pour 10 minutes parce que. Allez, je peux pas parler de ça, ça va m'énerver. Alors, trésorerie, encadrement, recrutement. Ouais. Comment on fait pour recruter des joueurs? Ah, il charge. Il charge. Ouais, on ne peut pas. On ne peut pas. Il charge. Donc ça, si vous voulez, c'est parce que on accède à des ressources, certainement une base de données, qui est en ligne, sur un serveur. Je sais pas où, j'en sais rien. À mon avis, enfin, je crois que c'est des serveurs OVH et putain, mais les mecs, allez chez Azure, allez chez AWS, mais laissez tomber quoi. Et puis voilà, et ça donne que. Ou alors c'est le code qui a chié, j'en sais rien. Putain, ça donne que tu veux créer une équipe, déjà, ça fait une minute qu'on attend quoi. Enfin, normal. Ok, donc. Donc dans cette équipe bizarre, on peut avoir un ogre, un homme arbre, un lanceur humain. Des trois quarts humains, c'est énorme. Des receveurs humains, des blitz, un blitzer humain. Ah oui, attends, un receveur, un lanceur, un blitzer, deux halflings, un tueur de troll, un tueur nain, pardon, un coureur nain, un seul, deux bloqueurs nains et un blitzer nain. En vrai, c'est un roster qui peut être rigolo à jouer. Ouais. Ça peut être rigolo, mais parce que ça peut être vachement bien optimisé. Tu peux vraiment orienter le style de l'équipe comme tu as envie. Maintenant, ça, moi j'aime bien dans le Blood Bowl, enfin, dans Warhammer en général. C'est tu joues des oppositions de style plus que des races. Hein. Tu joues les bourrins d'orques contre les les gymnastes elfiques, et c'est ça qui est rigolo, hein. Je veux pas trop voir ce genre d'équipe mixte, faut pas que ça devienne la règle quoi. Bah, je sais pas, on verra. Bon, ok, bon allez, je vous laisse là. C'était une bonne soirée, un bon match, c'était cool, j'ai bien aimé ce Blood Bowl 3, donc j'en referai demain, histoire qu'on voit un petit peu tous les autres terrains et tout, et puis que je m'habitue un petit peu au jeu, parce que j'ai pas le réflexe. Alors déjà, je vois pas bien mes troupes. Donc ça, il va falloir que je travaille là-dessus. Je vois pas bien mes troupes. Jouer plusieurs relances par tour, c'est pas instinctif. Hein. C'est, tu sais, dans ma tête, j'ai claqué ma relance, ben c'est fini. Tu vois, j'ai relance, le score est merdique. Sur la première mi-temps, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait un double crâne, j'ai fait une relance, j'ai refait double crâne, et puis ben, j'ai cliqué sur un des crânes parce que ça m'est même pas venu à l'idée que je pouvais relancer une deuxième relance. Donc voilà, ça c'est un réflexe à apprendre. Et puis la transmission, hein, parce que j'aurais pu marquer un touchdown en fin de première mi-temps, mais il fallait déclarer la transmission avant de commencer le mouvement. Ça, je. C'était pas comme ça avant, quoi. Donc bon, bah voilà. Mais par contre, c'est logique. Hein. C'est. Je trouve ça complètement logique. C'est-à-dire que. Sinon, ça fait que tu vas décider de faire ta transmission si tu as réussi ton esquive, ton GFI ou je sais pas quoi. Donc, c'est bien. Tu as l'intention de le faire, donc tu le fais. Tu vois, la décision est prise, donc c'est fait. Après, si tu foires et puis que. Ouais, enfin non, parce que si tu foires, tu es obligé de transmettre. Qu'est-ce que tu vas faire de ta balle si tu la transmets pas avec ton truc quoi, tu peux rien faire en fait. Non, c'est une règle de merde. Rendez-moi la transmission autorisée. Je veux bien pour la passe, mais pour la transmission, on va te faire foutre. Je suis en train de réfléchir, hein, mais non, il n'y a pas de. Bon. Ils doivent savoir ce qu'ils font. Je ne suis qu'un joueur après tout. Allez, des bisous. Merci à tous pour la soirée. Merci pour les resubs du soir. Warkfell, Crook, des bisous. Et puis, ben, à tous les autres, à demain, hein, pour des resubs. Passez une bonne soirée, bossez bien, des bisous, ciao ciao.